Pendant 3 jours, les représentants de 9 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre se sont réunis au Tchad pour échanger sur les progrès et les défis relatifs à l'épanouissement des femmes tchadiennes et celles des pays où le projet SWEDD est mis en opération. Les participants venus du Bénin, du Burkina Faso, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée, du Mali, du Niger, de la Mauritanie et du Tchad ont partagé leurs connaissances et expériences dans le cadre de la semaine consacrée à la mise en œuvre de ce projet pendant les 8 années visant l'autonomisation de la femme et le dividende démographique au Sahel. Cette semaine a été consacrée à des discussions en panel de haut niveau, à l'issue desquelles des recommandations ont été formulées à l'attention du gouvernement tchadien et de ses partenaires techniques et financiers. Entre autres, l'augmentation de l'enveloppe budgétaire dédiée au projet, de l'extension et renforcement des centres d'accueil pour la prise en charge des jeunes filles, ainsi que la vulgarisation des textes législatifs les protégeant. Le coordonnateur national de SWEDD Tchad, Youssouf Awari Naïssa, s'est félicité des objectifs atteints et a rendu un hommage appuyé à tous les acteurs ayant contribué au succès de cette semaine d'échange. Il a souligné l'importance de ces rencontres pour consolider les acquis et renforcer la dynamique en faveur de l'autonomisation des femmes. Non seulement nous avons discuté de ce qui a été fait sur le terrain, mais nous avons appris beaucoup de nos collègues qui sont venus de ces différents pays, avec des innovations qui seront répliquées certainement dans la phase de SWEDD+. J'espère que nous avons atteint notre objectif. Notre objectif de communiquer les résultats, parce que le devoir de rendre compte nous oblige. De son côté, Kofi Akonon, au nom de la Banque mondiale, principal partenaire financier de ce projet, a exprimé sa satisfaction quant aux résultats présentés. Les témoignages des bénéficiaires ainsi que les différents plaidoyers portés par les participants à ces journées démontrent à suffisance que beaucoup reste à faire. Ainsi, nous espérons que le nouveau projet SWEDD+, qui vise le même objectif, sera davantage réduire le gap. Ali Dida Kampa, secrétaire d'État aux finances et au budget, représentant le ministre de tutelle, a conclu ses assises en réaffirmant l'engagement du gouvernement tchadien. Il a rappelé que soutenir les femmes demeure un défi crucial pour le Tchad et a assuré que sous la direction du président de la République, Mahamat Idriss Déby Itno, le gouvernement est déterminé à relever ces défis pour un avenir meilleur pour les femmes tchadiennes. Les recommandations formulées seront intégrées à nos priorités pour améliorer la mise en œuvre du projet. Notre défi est donc de soutenir les femmes, non seulement dans l'entrepreneuriat, mais aussi dans la transformation et la commercialisation de leurs produits, tant sur le marché national qu'international. Nous comptons sur le soutien stratégique de la Banque mondiale pour assurer une couverture nationale de ces initiatives. Cette semaine d'informations met en lumière les efforts conjugués des différents acteurs pour promouvoir l'autonomisation des femmes et leur rôle essentiel dans le développement socio-économique du Sahel. Les recommandations formulées et les engagements pris augurent des renforcements des actions en faveur des jeunes filles et des femmes, permettant ainsi de consolider les progrès réalisés et d'envisager des perspectives prometteuses pour l'avenir à travers le projet SWEDD+.